Yon l'autre fois, go bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Point d'abdomine actualité dans le journal là. Ben, 400 marozo, tout yon monde, plus de l'autre blessé. Avec une douzaine de machines passées en bas flamme du feu, samedi 26 juin 2021, dans la commune Croix des Bouquets. Pendant ce soir, dans le dossier insécurité, considère valer terrain dans le pays, dans la zone Matissan, Fontamaras, avec un pile de difficulté pour mon niveau circuler dans la zone, ça a bloqué et environ près de 4 départements dans le sud du pays, pour faire activité à Port-au-Prince. Pendant ce soir, le gouvernement a annoncé à mettre sous pied un groupe qui formé avec plusieurs ministères qui assuré et puis pour un monde qui déplacé dans la violence gang dans plusieurs côtés de la capitale du pays. Le groupe Sabine Latani représentant divers ministères en dans le pouvoir en place. L'autorité qui va être dans le dossier insécurité a des conséquences sur le monde qui prend soin dans le coronavirus. J'ai dit l'autorité qui a une capacité pour capable résoudre le problème avec l'examen envisagé pour déplacer sans traitement COVID-19 qui est dans le bas Delma, dans la capitale pays, particulièrement dans Delma 2, d'après déclaration ministre Culture et Communication, Pradel Henriques, qui a parlé sur le climat insécurité qui n'a pas fini avec le pays d'Haïti. Ministre délégué pour les affaires droits humains avec lutte contre pauvreté, Jessie Benance. Ministre pour tout bout de temps, Affaires sociales, Marie-Justine, mon premier, je tous les deux fait partie du groupe Sayo. Je fais connaître un chef qui a fait un coup de parler et arrivé par aide à Moun qui est déplacé dans la zone Matissan à Fontamara. Dossier éducation, mais avec insécurité, syndicaliste Magali Georges exprimé, tête chargée, il a gagné sous conséquence de violence, examen, il a gagné sous participation élève qui vivent dans Matissan Fontamara à Badelman, examen l'État qui vient vous faire avant longtemps. Dossier politique, professeur Etienne Jean-Baptiste critiqué pour voir en placement. Il dit qu'il va jamais prendre aucune mesure pour faire des actes insécurité qui la cause mon a souffri sans connaître pour combien de temps il a trouvé dans la situation où il dans le pays. Dans le dossier Petro-Caribé, M. André Michel qualifié de partisan à complaisant. Décision, juge Ramoncite Alcimé prend semaine passée qui constatait pas gagner arrêt débat qui te prend contre monde qui impliqué dans la disparition de l'agent Petro-Caribé. Dossier assassinat qui est passé dans la zone, dans la troisième section communale Gonaïvlan, dans la Kapiti, dans le Bayonet, commissaire gouvernement ville Gonaïvlan, M. Ragazis, fait qu'on est dans la localité ça, dans le 24 juin, pour te informer sur l'incident qui est passé dans la zone Kapiti, qui est en localité dans la troisième section communale. Le commissaire a constaté qu'il y a deux mouns qui mourent, qu'il y a trois autres qui blessés à Kbal, parmi eux, un cousin délégué de départemental de la Tibonitan, M. Enoch Genedus, qui est présent dans ce bon niveau d'eau. Pasteur Ford Meus, qui est un habitant dans la localité Kapiti, et qui est dans la troisième section communale Gonaïves, lui-même tout, qui est dans Bayonet, pour te précision sur ce qui est passé dans la localité Kapiti, 24 juin, 20, dans la nuit 23 pour le 24 juin, qui s'est passé là. Dossier insécurité, c'est le domine actualité, depuis passé combien plusieurs mois dans le pays d'Haïti. J'en connais ni, bandi 400 marozo yo touye, yon moun, plusieurs autres blessés, avec une douzaine de machines passées en bas flamme du feu, samedi 26 juin 2021, dans la commune Croix des Bouquets. Bandi 400 marozo yo, t'es à l'installer, on va le placer, yon chef gang nan Rémi, pour yon capable de prendre contrôle de zone si là. Ancien gang qui était habité dans zone dans Rémian réagit yo louvri coup d'âme sous bandi 400 marozo yo qui eux même les a replié croisé avec un patrouille de la police qui lui même tout louvri coup d'âme sous bandi 400 marozo yo. Population Croix des Bouquets connaît un moment panique pendant une partie dans journée samedi 26 juin 2021 bandi yo des tirs en pile coup d'âme dans l'église Notre-Dame du Rosaire qui t'a chanté un enterrement toujours dans la commune Croix des Bouquets. Tout le monde qui était venu rendre défunt un dernier hommage, un dernier revoir, t'es obligé courir quitter l'église en bas catouche. En plus là-dedans, t'es obligé entrer en bas ban en dans l'église là pendant funérailles. Pour finir, ben Dieu passé en bas flamme du feu environ une douzaine machines qui étaient devant l'église Notre-Dame du Rosaire dans Croix des Bouquets. La paix après le tourner bien tard dans finissement de journée après plusieurs unités spécialisées dans la police nationale pays d'Haïti t'es venu porter backup ou bien renfort avec policiers administratifs
dans la commune Croix des Bouquets. Toujours dans le dossier insécurité, n'a signalé pour troisième circonscription pas de presse toujours en bas gros tension bandi exam qui toujours troqué coup d'exam après depuis plus passé un mois dans Fontamara ensemble avec Martissant. Mon dieu toujours été dans al prend refuge dans centre d'accueil Kafouan. Toujours en difficulté d'après information cap circulé. Faut signaler pour vous que zone ça a bloqué et à partir de bandi cap trouvé coup d'amio, ça fait que plusieurs départements dans pays hein bloqué avec reste pays. Donc dans dossier sécurité hein, dossier coup d'am cap chanté, le gouvernement a annoncé yo mettait campier, yo mettait campier un groupe qui formé avec plusieurs ministères cap assurer et puis prend moun yo qui déplacé yo dans violence gang ak, Améo, dans plusieurs côtés dans la capitale pays. Groupe ça, Gela Dani, représentant ministère des Affaires sociales, ministère intérieur et collectivité territoriale, ministère finances, ministère planification avec institution qui sous-titelle ministère Sao. Padel Henriques, ensemble avec Padel Henriques, lui-même qui est ministre communication et culture, même j'ai avec Junior, Guy Junior François, lui-même tout, qui est ministre qui sous question citoyenneté, dans le pouvoir, la portée précision. La zone qui nous tourne ensemble avec ministre Pradel Henriques, n'a pas le prendre madame Justine, mon premier toujours, pour nous, ministre délégué pour les affaires de la monde, avec lutte contre pauvreté, Jessie Menos, ministre pour Thibaut Tan, affaires sociales là, Marie Justine, mon premier, yo tous les deux, fait partie groupe ça, yo fait qu'on est, gagné fois qu'il fait, t'as qu'on arrive, pour t'aide, by mini, by moun qui déplace, yo, dans Martissant, avec Fontamara. Nous invitons écouter ministre Jessie Menos avec madame Justine mon premier, yo tous les deux qui c'est yon c'est ministre affaires sociales, l'autre là c'est ministre condition femme. En côté. Jodi a, pour nous gagner l'état qui moderne. Pour ça, pour nous gagner l'autre type citoyen et dirigeant. Le nous parler d'un état moderne, nous fait référence à un système politique où des droits et libertés fondamentaux permettent une cohabitation pacifique, pas seulement de vivre ensemble, quand nous gagner doit vivre ensemble dans jungle. Et il y en a plein l'autre, mais il faut que nous créions conditions pour cohabitation sans fait dans la paix et la tranquillité qui vous mène à la stabilité et fait nous comprendre et fait nous tout un bout de chemin de développement. Aujourd'hui, difficulté non, qui pose difficulté non, c'est d'avoir les politiques publiques rationalisantes qui a constitué sous échec pays il y a depuis 30 dernières années, c'est incapacité non pour une stratégie. C'est pas complot non, stratégie. Et stratégie par envoyer seulement à la guerre. C'est pour apprendre à être autrement révolutionnaire. Moi-même, moi toujours prôné une révolution tranquille. Et révolution ça, a permis à tout acteur pour rentrer dans un processus démocratique. Un processus qui vous priorise le dialogue, et c'est un processus avec avant tout qui doit reconnaître tout le monde qui a le même droit. Nous travaillons avec le directeur général Bonheur, nous travaillons avec FAES, qui sont l'entité pour nous dire qu'ils sont capables intervenu pour nous capables de porter aide pour nous. C'est comme ça. Nous avons acheté l'huile, nous avons acheté du riz, nous avons acheté maïs, nous avons acheté pois, nous avons acheté spaghetti et puis nous avons gagné préparé des kits même pour Simona Abla Lakaïli, des kits qui gagnent du riz là-dedans, qui gagnent pois, qui gagnent huile, qui gagnent maïs là-dedans, qui gagnent deux t-shirts là-dedans pour Simona, besoin de dépasser immédiatement. Nous avons préparé en général à peu près une centaine, douzaine maillots, ça nous a des t-shirts, nous a des maillots. Nous avons des conforteurs pour nous dormir, nous allons dormir à même le soir. Mais ça nous a remettre, magistrat Kafoua, nous-mêmes, pour être capable de prendre soin de nous, parce que nous avons un pire intervenant, parce que nous avons une organisation femme qui est sur le terrain, nous avons une autre organisation de la société civile qui est sur le terrain, qui travaille pour porter aide à nous. C'est pour ça que FAES a distribué 2500 plats chauds par jour en l'air, Delma. Alors, et Carrefour, il était porté, Delma a 503 plats que nous avons balayés. Il y a un handicapé autour que nous travaillons avec le secrétaire d'État et qui est responsable de personnes handicapées qui en bas tutelle le ministère des Affaires sociales. Tout. Donc ça veut dire que nous prenons soin de nous travailler au moins trois plats, manger et manger chaud dans la question FAES, à côté de l'autre manger que nous distribuons. Il y a une distribution kit hygiénique tout que FAES a fait, pour que nous baillons au milieu de kit hygiénique. Dans Delma, il y a 500 balles. Donc, Carrefour nous dit 1000 là, c'est pour Carrefour. Et son sportif et de Carrefour encore recevoir 1333 kits hygiéniques. Ça veut dire que Task Force, même créée,
et que nous faisons toute intervention ça. Et qu'on y a là, dans la question maintenant, nous pouvons aller l'ouvrir, commencer à l'ouvrir restaurant communautaire pour nous bailler, manger dans le cadre de ça et après la conduite normale. On a écouté deux ministres dans le gouvernement. Et Jovenel Moïse, Madame Jessie Ménos avec Madame Gisèle Monpremier. Nous avons ces ministres contre pauvreté, ministre Jessie Ménos avec ministre Affaires sociales pour un petit bout de temps, Madame Gisèle Monpremier, qui t'a parlé sur aide du commencer pour les gens qui n'ont centre ou monde qui déplacé en Babzak bandi armé a fait dans capitale pays hein, depuis presque environ un mois. Il était commencé 1er juin côté que bandi ont commencé troquer coup d'armes dans capitale pays hein, particulièrement dans la troisième circonscription Port-au-Prince. Justement, gouvernement a annoncé à mettre une task force campée pour capable à qui former avec plusieurs ministères en de pays hein, pour capable rire des monde qui déplacé dans violence gang armée dans plusieurs côtés dans capitale. Groupe ça, nous avons la dernière représentant du ministère des Affaires sociales, qu'on s'entend là, ministère intérieur et la collectivité territoriale, ministère finance, ministère planification avec quelques autres institutions qui en bas contrôlent le ministère Silao. Padel Henriques, qui est ministre de communication et culture, dans le gouvernement, les mêmes tours, ensemble avec Guy Junior François, qui est ministre de la citoyenneté, lui-même, il a porté précision. Crise politique ou elle là, crise des déplacés, lui coïncidait paradoxalement à une inauguration qui est faite le 5 juin dans Carrefour, depuis au central électrique du président, qui a déjà pris la décision le 18 décembre, tout équipement est arrivé. Et puis le 3, ben, nous avons eu cette catastrophe des gangs, d'abord tout le sud, et puis jeudi, il a essayé de monter vers l'avenir. Et puis, Ouingen, ça a déclaré une véritable crise qui prend tout ce qu'on appelle le tout bas la ville. Et donc, du coup, nous avons une nouvelle situation qui est présentée devant nous comme une véritable crise humanitaire. Et donc, déplacer, nous inventer aujourd'hui à la société comme une nouvelle crise humanitaire. Et donc, du coup, le gouvernement a une responsabilité. Et donc, c'est pour ça que le président, il était par instruction dimanche dernier, et le premier ministre, lui, passé à l'action. Et à côté d'autres travaux que différents ministères ont déjà pris, les autres responsabilités ont déjà pris, notamment Affaires sociales, FAES. Donc, vient gagner entre temps au task force, donc son équipe qui est structurée, que le ministre Guy François a présenté pour nous, responsabilité et tout ça. Gagnons task force qui est décidé vendredi 21 juin, côté qu'on rencontre dans la résidence officielle pour le ministre. Après instruction, président Jovenel Moïse s'est passé pour mettre sous pied une équipe qui pour renforcer et déplacer eux, pour venir en aide avec déplacer eux, bien on task force qui mettait sous pied. Mais pour ne pas spécifier, task force là, il crée dans lundi, mais ça ne veut pas dire que l'autre entité n'a pas travaillé et venir en aide avec déplacer eux. Donc dans task force là, nous gagnons tout d'abord le ministère des Affaires sociales, qui gagne en Bali, ONM, et puis qui gagne le bureau du secrétaire d'État des personnes handicapées, et qui gagne FAES. Et en même temps, tout, à côté, nous gagnons le ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales, qui gagne la Direction Générale de la Protection Civile, et qui gagne tout, collectivité, qui veut dire mairie et KAZEC, AZEC, délégué de ville. Et pour finir, en troisième position, nous gagnons, comme je l'ai dit tout à l'heure, ministre Boisvert, qui est ministre finance, et en même temps, ministre planification, qui en charge causer administratif et en contact avec différents ONG. Donc, ça, c'est pour nous, vu ta force, très simple. C'est pour éviter des duplications et une meilleure cohésion en différentes entités. Ça y est, qui ont cité là. Et je pense que nous avons des différentes prises de parole, nous avons protection civile, différentes entités. Et qui parle à Josia, mais il y a bien tout une baille détail parce que chaque monde sait que bon rôle spécifique pour jouer, par exemple, notre FAES qui est responsable de distribution de manger, kit alimentaire et kit sanitaire. C'est Pradel Henriques, lui-même qui est ministre culture et communication, ensemble avec Guy Junior François, lui-même qui tape pour des précisions sur activité ou encore task force là, que pouvoir dire le mettre campé, presque un mois après, pour venir rider Moun Fontamara, qui a victime en bas gros coup d'âme, qui a chanté chaque jour dans la zone, qui bige qui était caillou, à cause de bandits examen, a ouvri porte, piqué du fait, fait cas de Jacques sous jeune femme, c'est gros causé gagné dans ça, donc c'est un mois après pouvoir commencer à préagir sur question ça, dit le boss, mettez campé, yon équipe pour venir rider Mounio dans la situation là tout le monde qui a connu dans la capitale pays
Port-au-Prince. Pendant ça, il y a un professeur maître et professeur Marc-Eddie Jean-Baptiste qui critiquait pouvoir en place là. Il dit qu'il pas jamais prend aucun mesure pour faire des actes d'insécurité, ça y est, qui la cause mon a souffri, sans connaître pour combien de temps il a trouvé une situation, je dis, politologue là, qui c'est Marc-Eddie Jean-Baptiste, m'a dit, opposant régime PHTK, pour mettre tête ensemble, pour débarrasser pays, de mode dirigeant, ça y est. Marc-Eddie Jean-Baptiste. Je dis, lecture non fait des situations PIA, politique, sociale, économique et sécurité, c'est une lecture qui est grave. Et je dis, nous n'avons pas l'autre action, pas l'autre alternative que leader politique, nous remobiliser, nous marrer venir parce que je dis, Jovenel Moïse, non seulement mandat est fini comme tout le monde connaît depuis 7 février 2021, il allait au-delà de mandat, donc en dehors de constitution. Je dis, il a révélé très clairement Jovenel Moïse pas gagné sérieux que l'a réglé. D'ailleurs, il y a un gouvernement, un chef d'État qui perd du contrôle territoire, c'est gang qui a dirigé, donc il n'y a pas gagné place. Li. Donc ça veut dire que je dis, c'est pour nous tous. Non, société civile là, monde qui fait partie de l'opposition, monde qui se veut lever camper, et que mobiliser force pour que Jovenel Moïse quitte le pouvoir pour monde suspendre mourir, parce que je dis, ou prisonnier la caillou, ou prisonnier dans le pays, c'est gang qui peut dire qui va pour passer, qui est pour sortir, qui est pour sortir. Donc, ça veut dire que le pays n'a pas de monde qui a dirigé. Si le pays n'a pas de monde qui a dirigé, il faut que le monde qui est en opposition, il faut que la société civile organise pour mettre un gouvernement pour le pays capable de gouverner, parce que actuellement le pays n'a pas de gouverner. Vous écoutez. Politologue Marc-Eddie Jean-Baptiste qui a réagi sur question insécurité, quoique, faut que opposant régime PHTK capable de mettre ensemble pour capable débarrasser pays de qualité dirigeant, ça y est. Dans le dossier éducation, Nabdo syndicaliste Magali Georges exprimé tête chargée, elle gagne, sous conséquence violence, examen, elle gagne, sous participation élève qui vivent dans Martissan, dans examen, dans Martissan Contamara, avec Badel Mayo dans l'examen d'État Anessa. Ministère de l'Éducation nationale décidé pour capable retirer une série de examens qui étaient dans la zone Sayo, dans Balaville, le Port-au-Prince. Madame Georges attire attention autorité sur la quantité de monde qui doit subir épreuve, mais qui doit traverser quartier Sayo, côté gang examen à contrôler chaque jour. Pour secrétaire général de la Confédération nationale éducatrice et éducateur haïtien, le problème n'a toujours été même genre pendant critiquer responsable ministère de l'Éducation nationale. Qui pas travaille pour apaiser la situation dans la zone. Magali Georges. Le ministère a dépassé 30 salaires déplacés. Le ministère n'a aucun souci de qui a fait ça qui a fait là-dedans. On ne peut pas oublier 30 qui a déplacé. Il faut que tout le monde là dans une zone chaude. Ça va déjà une priorité pour le ministère. Délocaliser 30 salaires. Et tout le monde qui est pour te composer ça. Côté où qui côté où il passer pour y aller dans cette salle. Même si on mette la boule, Thomas, Saint-Marc, qui côté où il passer pour y aller composer dans cette salle. Et puis chaque monde a battu pour faire petit combo. Quand il y a son bataille pour faire petit combo. Examen. Donc, si vous êtes traumatisé, qui est à l'esprit, si vous êtes dans un examen, l'État va chita pour résoudre le problème, les gens qui importent des armes, qui importent des munitions, comme les armes qui sont très florissantes dans le pays. Année ça, pour un pile l'école, surtout l'école publique, c'est 70 jours de classe qui sont gagnés, alors que l'année scolaire fait pour gagner environ 200 jours d'école. Insécurité a des gros incidents sur le secteur éducatif. Situation crise politique, crise sécuritaire, crise économique, là, y a gros. Incidence et sur question éducation. Donc, ou pas capable de résoudre le problème comme ça. Nous ne comprenons pas que les localités transportées sont ou pas assurer ou sécuriser chemin, route que tu veux nous passer pour y aller dans notre transportation ou n'importe quoi d'autre à mettre. Le ministre dit qu'il y a obligation pour organiser l'examen officiel. Mais le ministre n'a pas dit qu'il y a obligation pour assurer que tu veux nous apprendre dans l'école. L'examen officiel est une évaluation. Évaluation faite les gars apprennent. Nous-mêmes, nous connaissons nous, l'école dans le pays. Si nous avons à peine si nous avons 60-70 jours de classe. En début de l'éducation nationale, la avons dit que l'examen l'État. Donc, comme ça, il faut craser à tout prix. Donc, sans que nous n'avons aucun souci pour l'apprentissage
petit monde. Est-ce que pendant tout temps des problèmes de sécurité ça, si j'ai retourné à l'école traversée à faire pour lycée La Saline depuis 2018 en difficulté. Si me prend toute l'école qui dans Ron Matisson, de mémoire comme ça me ca cité, République du Pérou, école d'application de Matisson, République du Nicaragua, Emirata Papaye, Paris Perisso, Emmané, Fortuna Aguerri, si me prend l'école Frère Sacré-Cœur, Jean 23. Donc toute l'école ça a une grosse difficulté, lycée Pétion, l'école Notre-Dame du Gavetel, c'est qu'on en belle, ça c'est l'école qui est pour aller, ça, ou nous c'était oulala. Ça c'est tout privé à l'oublier, depuis où l'école est dans une zone où tout qu'on est gagné, privé. Si les gens qui n'ont pas tête gouvernement ça, go catégorie, mon n'y pas réglé pour lui, donc examen l'État, il y a une obligation pour faire, nous qu'on est gagné à faire, alors que des problèmes dans l'apprentissage, nous voulons faire un examen officiel, côté si vous n'avez réussi à 80%, ça va avoir aucune performance académique, ouais, pour depuis le gouvernement ça est là, taux de réussite a augmenté, pas d'investissement fait dans le secteur, pas de courant dans la classe, lycée Daniel Fiolé en difficulté, lycée Timé en difficulté, ça va dire son nom, ou après, ou après, taux de réussite extraordinaire, ça. Toi, après tout, vous venez répondre devant la nation de sacrifices que vous faites depuis plus de 4 ans dans le système éducatif là. On a écouté secrétaire général de la Confédération nationale éducatrice et éducateur haïtien, Mme Magali Georges, lui-même qui a réagi sur la question incidence, insécurité à gagner sur le système éducatif. On a signalé, pendant le mois de mai, gagné en pile élèves lycée, donc les élèves lycée fumé, lycée Pétionville, lycée Daniel Fignolé, ensemble avec lycée Pétion, ils tout été prêts à l'arrière pour te dénoncer Zach insécurité qui a gangrené le pays. Élèves de critiquer le pouvoir en plaçant le fait que ils obligé à traverser ces cadavres chaque jour pour y aller à l'école. Alors que lycée Pétion pas jamais fonctionné, même ensemble avec lycée Daniel Fignolé, presque pendant toute année. Acte dossier sécurité, nous avons démarré deuxième traction encore pour nous commissaire gouvernement Ville Gonaïve là. Monsieur Agassius, fait qu'on a été réuni dans la localité Capiti, jeudi 24 juin 2021, pour informer les incidents qui étaient passés dans la zone ça à côté de Moun Pézilavio, trois autres qui blessés en babal, parmi eux, un cousin délégué département de la Tibonite là, M. Enoch Généjelius qui était présent dans une cérémonie vaudou qui est organisé dans la zone. Commissaire Garcius dit qu'il constatait un jeune garçon 8 l'année qui mourit à Gbal ensemble avec un autre encore qui a 32 l'année et tous les deux qui mourit en babal. Commissaire a dit qu'il recevait un peu d'informations sur ce qui est passé, qu'il hein, souhaitait pour la justice faire travailler, pour la justice à Poun qui est victime, pendant le fait qu'on est pour qu'il y ait un qu'un monde, il est arrêté dans ce qui est passé dans Kapiti, localité qui est dans la troisième section communale, Bayonet, dans Gonaïve. Effectivement, il y a un incident qui produit à Kapiti, son localité, qui est dans la section communale, Bayonet. Mais maintenant, matin, aux environs de 7 heures, il y a un délégué départemental là, qui est là, qui dit une bonne situation qui est produite en l'air, qui s'allie, il dit qu'il est en haut, il est non vaudou, et puis après ça, le temps de tirer, il prend machine, il est déplacé. C'est pas la suite. Il y a un moun yo qui prend dans machine avec lui. Et puis, les voyageurs, ils ont dit ça. Bon, lui-même, il était déplacé là. Après ça, je vais donner une autre information encore. Je vais juger le bon moi-même de faire le déplacement avec l'appareil judiciaire. Je vais monter en haut. Je vais aller pour nous constater et voir qui ça qui passe. Les non-rivés en haut à Kapiti sont zones qui sont vraiment difficiles. Malheureusement, je pense que moi, d'un côté, à cette situation où je vais souhaiter arriver à Kapiti. Parce que la situation est vraiment compliquée. Les noms de Kapiti, nous sommes arrivés. Nous avons un petit jeune homme 8 ans qui couchait à terre, qui est les rues, lui, ça viva, il a 8 ans. Et puis nous avons des sauveurs et celles qui ont 32 ans. Nous avons couché à terre. C'est vraiment triste. Et puis, là, nous arrivons, nous finissons de nous aider, nous allons coucher, ça y est, mon petit mourir. Et puis, nous commençons à parler avec la population, il y a très assez fait pour nous, c'est vraiment lamentable. Parce que, mon yodou, il commence à activer ça, c'est chaque année, il fait dans l'air. Mais pas jamais gagné un yen, mais mon wash pas jamais gagné qui roule. C'est pour la première fois, pendant qu'il a fait activité, hein, parce que t'es gondi, j'ai été venu jouer pour yo, qui t'es déplacé par on, comment me serrer les passagers. Et puis, yo t'as des bruits balles là. C'est par la suite, gagné un petit nec sac tombé, hein, il t'a dansé sous cet angle, et puis, yo elle tombé. Et puis, comme on dit, son balle, je sais pas. Là, nous, il veut nous garder, nous, Mac balle, yo nommé, côté qui gonfait de l'eau, nous jouons une douille,
la population ban nous des informations et suite à information ça yo me penser l'action publique mettait en mouvement contre un série monde parce que yo cité des noms ban nous et me penser la justice a fait cool la justice a prendre à monde qui méritait justice parce que ça crime ça assassinat ça est pas arrêté impuni. Donc si bien comprendre pourquoi gain arrestation qui fait pourquoi gain arrestation parce que ma peine sorti capitule parce que zone difficile depuis le matin dehors mais suite à des informations nous recueillir population a cité des noms parce que yo dit tu ouais toute bagaille. Yo même identifié comment moun yo vini, comment yo allé, bon c'est ça yo a utile pour la justice pour que justice rende à pauvre malheureux ça yo n'était pas couché à terre. Peut-être qu'il taille des temps yo, ou qu'on est pays a tellement gain stress, moun yo te joine une occasion mais malheureusement moun ça pas tourné. Ça yo pas gain rien avec personne. Malheureusement c'est cadavre par un pour. Bon c'est nécessaire pour moun ça au justice. Gen moun ki t'a cité non et délégué département la Tibonite là gen yo t'a accusé gen moun ki t'a avec lui est-ce que gen yon on fait comme ça bon là nous rive population dit non effectivement yo t'a identifié des moun ki t'a avec délégué a qui t'a dans machine délégué a yo même dit non les actions fin passé c'est dans machine délégué a moun ça au monter aller. Comment nous comprendre que dans le moment que le gouvernement a décrété état d'urgence sanitaire et puis représentant exécutif l'ont trouvé à participer dans un rassemblement de foule alors que l'interdit commissaire? Bon, moi-même, je pense que là, il y a un protocole qui doit être fait parce que le corona est réel et je pense que ce n'est pas le moment pour encourager la foule. C'est le moment pour nous désencourager Foulio. C'est pas le moment pour nous encourager parce que c'est difficile pour moi-même, comme commissaire Chirac, à participer dans des activités qui viennent pour le monde. Au contraire, m'a désencourager Mounio parce que qu'on a tué le monde, faut nous faire population comprendre pour nous commencer à reprendre en principe encore les gestes de barrière pour nous appliquer, pour nous sauver la vie si nous capables. C'est pas le moment. Nous croyons foule là, c'est pas le moment. On a écouté, commissaire gouvernement Gonaïve Lan, maître Sérard Gassius, qui a réagi sur l'incident passé dans Kapiti, une localité qui est dans la troisième section communale Gonaïve Lan, Bayonnais, dans la date 23 juin 2021. Gagné, pasteur Fordi Beyus, qui est un habitant dans la localité Kapiti, qui est dans la troisième section communale Gonaïve Lan, dans Bayonnais, côté incident, ça a été passé dans le 23 juin 2021. Il fait croire qu'il y a deux mouns qui mourent, il y a trois autres qui sont blessés, fait connaître la cause, il était obligé de serrer quelques mouns pour t'empêcher aux victimes en bas Zaxa. Pasteur Fonzi Meus dit majorité témoin ou logé doit être sur un proche délégué de Batman à la Tibonite, là. Mettre Enoch Généjénus qui d'après ça, il déclarait ta reconnaître Zaxila. Pasteur Fonzi Meus fait qu'on est après constat légal, yo, proche victime, yo, entre cadavre, yo. Incident, ça a passé, dans moment habitant, tiré la Tibonite, pardon, tiré Bayonne, yo, t'as fêté Saint Patron, yo, Saint Jean-Baptiste, en côté. Moi, c'est moi qui tire à la nuit, là, y'a pas qu'à compter, moi, mais tout est plat. Vous connaissez, moi-même, c'est protestant mieux, m'déchire dans la caille. Mais tout est pire, dit, ça, c'est pas l'autre monde qui tire là. Y'a dit, c'est pas qui m'en est qui tire là. Des mouns qui mourent là, oui. Des yon mouns qui mourent, l'irrelé, j'ai sauvé un seul. Il y a 32 ans. J'ai sauvé un 32 ans. Des yon qui gagne. Il pas gagne 10 ans. Les allés contactés par un, dit, c'est 8 ans. On s'y n'est 8 ans. Il y a trois mouns qui blessés. Les gars sont blessés à, qui mourent à, qui gagne 8 ans. Lui les relis ça dira. J'ai déjà fait constat au Kounia. Yo fait, yo descend Gonaïve, yo descend Gonaïve al desekay pour monter, pour vin mettre mon yo pour enterrer mon yo. Depuis ça me fin tiré, depuis yo fin tiré mon yo, depuis mon yo fin tombé, yo fin mouillé. Maintenant pour machine avec tout mon yo, wing là, les pas y'a m'tourner en venant. Marc-Antoine lui-même, Marc-Antoine, depuis l'accident fin passé, Marc-Antoine lui-même, les là. C'est qu'on y a juste fait un constat, qu'on y a donc, il virait l'arrêt. Qu'on y a un marathon à l'arrêt. Mais qui cause bagaille là, c'est parti. Mais parti, parti, mouné, non, puis, pour une communauté a dit, parce que y'a dit, c'est parti, mouné, non, puis, fin, par rapport à l'accident, fin, et y'a dit, communauté a dit, c'est parti, mouné, non, puis, même qui tué. L'autre, mon marathon, y'a pas de temps, mais y'a même pas de temps, même, y'a pas de temps, y'a pas commissaire de venir, j'ai pas de venir, en tout cas. Et de gagner pour être accompagné. Ça va gâter net, gâter des pieds, soit gâter tout le monde, tout le monde a brûlé, tout le monde a pourri, ça m'a chanté.
Vous avez écouté pasteur Fonzi Meus qui a réagi sur l'incident passé dans Kapiti, localité qui est dans la troisième section communale Bayonet, dans Gonaïve. Nous avons quitté le dossier sécurisé ça pour aller dans le dossier Petro-Caribé pour nous mettre André Michel avec Maître Marc-Antoine Maisonneuve. Yo même qui sont deux avocats plaignants dans le dossier Petro-Caribé. Yo prononcé sur ordonnance juge Ramon Sit Aximé dans le cadre de projet, dans le cadre de procès Petro-Caribé semaine passée. Maître André Michel qualifié de parti avec complaisance, décision ça, juge Ramon Sit Aximé et fait sortir là, quand il constate pas gagner arrêt de bain qui te prend contre monde qui impliqué dans disparition l'agent Petro-Caribéen. Maître André Michel, rappelez même gens avec l'autre massacre qui fait dans le pays d'Haïti, pas gagner procès, tout le temps, monde peut acheter Kassaro sous pouvoir dans le pays. Pour mettre mes honneurs, lui déclarer, il voulait jeter dans la poubelle ordonnance juge Ramon Sit Aximé, parce que c'est une manœuvre pour bloquer avancement dossier Petro-Caribéen. Maître André Michel, avec maître Marc-Antoine Maisonneuve, ils sont des avocats plaignants dans le cadre de dossier Petro-Caribéen, nous invitons à écouter. Presque 3 ans depuis la travail sur le dossier, c'est gentil à le constater, mes chers amis, pas de arrêt de débat dans le dossier. Franchement, se prendre les enfants du bon Dieu pour des imbéciles, pour des canards sauvages. Ramon Sit, il cherche un subterfuge parce que le voulait blanchir, monde qui vole les corps Petro-Caribéo. Mais arrêt de débat par aucun rapport avec dossier corruption. L'enquête de corruption diffère totalement de l'enquête administrative. La Cour des comptes juge les comptes des ordonnateurs et des comptables publics, mais la Cour des comptes n'est pas juge en matière de corruption. Là, la Cour des comptes constate que gestion administrative pas bon, la Cour des comptes bail arrêt de débat. S'il constate gestion en bon, dit bon arrêt de quitus, mais même si vous avez un arrêt de quitus de la Cour des comptes, vous pouvez être poursuivi pour corruption. Parce que la corruption, c'est une infraction dissimulée. C'est pas une infraction ou avec facilité. Pour celle de infraction en matière de corruption, infraction ça y est, la Cour des comptes pas qu'à saisir. Bon série d'infractions de corruption, son juge d'instruction qui pour mener enquête, qui pour qu'à joindre, tant qu'il y a délit d'initié, tant qu'il y a prise illégale d'intérêt, tant qu'il y a abus de biens sociaux, trafic d'influence, il fait favoritisme, ça n'a pas concerné la Cour des comptes. Et ça fait le frère ordonnance ça pour le doux, l'instruction est prématurée, il y a obstacle à l'instruction parce que pas bien arrêt de débat. Point soulevé, c'est pas une ordonnance qui a bien pièce conséquence sur la marche de l'instruction du dossier Petro-Caribé. Pour qui ça? C'est parce que tout simplement, pour nous-mêmes, et d'après ça ne fait déjà, en matière de procédure pénale, juge instruction Ramon Sit Aximé, pas dans le dossier ça encore. Dossier Petro-Caribé a continué faire chimel jusqu'à ce que la lumière soit faite. On a écouté Maître Marc-Antoine Maisonneuve avec Maître André Michel qui a réagi sur dernière ordonnance que juge Ramon Sit Aximé fait sur Petro-Caribéen, qu'on a fait quoi que pas gagné arrêt de débat plus capable de continuer à poursuivre moun qui volait l'agent Petro-Caribéen. On a quitté le dossier ça, nous parlons pas les questions coronavirus avec insécurité côté nous autorité ça qui pas gain capacité pour capable résoudre problème nèg exam envisagé pour déplacer sans traitement covid-19 là qui dans Badelma particulièrement dans Delma 2 c'est déclaration ministre culture et communication Pradel Henriques qui parlait sous question climat insécurité qui a fin détériorer zone Badelma et presque particulièrement toute zone métropolitaine ministre culture il l'autre porte et profiter et présenter sympathie gouvernement bah famille président CSPJ mais tous les Sylvestres qui étaient mourus mercredi passé après-midi après le défin trappé coronavirus là avec toute chaîne judiciaire pas de l'enquête. C'est quand même une maladie qui est le COVID-19 qui c'est catastrophe. Je veux dire que l'humanité connaît et j'en prie million de monde qui est dans mon lit sous terre. Semaine, le week-end, on a suivi la situation de maladie hein, d'ailleurs avec le ministère public. Hein. Hier après-midi, on a eu un président de la station, lycée René Sylvestre, qui est allé aux environs de 2h30, qui était en contact avec l'hôpital pour qu'il t'a pris soin et que le gouvernement t'a suivi, c'est ça,
depuis le week-end. Hier soir, justement, c'est mon conseil des ministres qui fait. Le conseil des ministres là, et tu as gagné une minute de recueillement du conseil des ministres qui devrait en l'honneur de René Sylvestre de la Cassation. Et nous profiter de l'occasion ça pour nous faire sympathie, condoléances à la famille, pour nous faire sympathie tout à tout secteur judiciaire, tous les avocats, juges, magistrats et la cour qui aujourd'hui est bloquée par disparition. Mais Sylvestre qui était une personnalité extrêmement importante. Au Haïti, nous étions sans regarder un pays fragile à tous les niveaux, tout dans l'histoire, nous avons une infrastructure, tout effort qui est fait l'année dernière au point du sanitaire par le ministère de la Santé publique et par le gouvernement général, je vous dis, on est capable de dire, c'est l'effort qui, avec dégradation sanitaire, là, carrément, mettait en question. Si vous pouvez abdominer l'actualité dans le journal là, bandit 400 marozouyo, tout yon moun, plusieurs autres blessés, avec une douzaine machines passées en bas flamme d'Ife, samedi 26 juin 2021, dans la commune Kouadebouquet, bandit a passé prend contrôle, zone nan Rémi, que total installé yon chef gang, alors que chef gang qui est déjà dans la zone nan, tire coup de zam sou yo, bandit yo, sène coup de zam tout, ensemble avec la police dans la zone nan, yo tire même en dans l'église Notre-Dame du Rosaire, moun qui devine nan enterrement, plige, crasé rac, ou encore entrer en bas blanc. La troisième circoncision par le président, toujours en bas gros tension, bandit axam, côté que, toujours à trouver coup d'am dans la zone, non, ça crée grosse situation panique, toujours dans la zone Fontamara avec Matisse. Dans cette situation, ça a gagné, gros panique nous qui gagne, il y a Médecins Sans Frontières qui dans la zone, qui a annoncé qu'il a fermé service à cause d'insécurité qui est dans la zone. Le gouvernement a annoncé à mettre campé en task force pour, avec plusieurs ministères qui pourraient assurer qu'il y a venu en aide avec déplacés dans la violence gang exam fait dans la capitale pays Port-au-Prince. Ministre délégué pour affaires droit monde avec contre pauvreté en gestion menace avec Nice Condition Femme là, yo fait connaître que gain gros effort qui commence à faire pour libérer des monde qui déplacé dans Matissan avec Fontamara. Professeur Edi Jean-Baptiste critiqué pouvoir en placement, il dit qu'il va j'en prendre aucune mesure pour prendre les actes insécurité qui la cause on a souffri sans par contre pour combien de temps dans la capitale pays en Port-au-Prince. Syndicaliste Magali Georges exprimé tête chargée, il gain sous conséquences violence exam yo gain sous participation élève yo dans examen baccalauréat ou encore examen d'état yo qui va le faire dans jour cap vinao. Le gouvernement ville Gonaïve Blanc, c'est Ragazi, je fais connaître, il était dans la localité Capiti, 24 juin passé. Encore après, il y a deux mouns qui étaient morts, il y a trois autres qui blessés en babal, mais il n'a pas fait aucune arrestation. Il souhaite que la justice continue de faire travail pour faire justice à monde qui méritait justice. Pasteur Fordi Meus, un habitant qui a vu dans la localité Capiti, 3e section communale Bayonnais, 3e section communale Gonaïve, qui c'est Bayonnais, côté incident ça a passé, fait quoi que, son proche délégué qui t'a impliqué dans l'assassinat qui fait sous deux mouns qui perdit la vie avec trois autres qui veut blesser. De ces Petro Caribé, maître André Michel qualifié de partisan avec complaisant décision, sa juge Ramon Aximé prend, lui elle constate pas qu'il y a un arrêt débat qui te prend contre moun qui impliqué dans la disparition de l'agent Petro Caribé. Dans ces coronavirus, l'État haïtien peut obligé et déplacer centre Delma 2, cette centre traitement COVID-19 là, qui est dans Delma 2 dans Port-au-Prince, d'après déclaration ministre Culture et Communication. Merci à vous. Entre temps, il y a un syndicaliste René Préville Joseph qui mourit à dimanche 27 juin 2021 en bas COVID-19. Là. Dirigeant Fenatec là, avec CTH, il a souffri avec difficulté pour respirer. Il a recevoir soin dans l'hôpital, dans la capitale pays hein, pendant environ 2 semaines. Ayer, l'Ivé, perdu la ville. Merci à les syndicalistes René Préville Joseph, c'est Timoun, ville Gonaïve. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter. Dernière information. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous. Son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.